C'est sortir de sa zone de confort, sortir du poste dans lequel on est et changer de métier. Pour moi, le switch, c'est se réinventer professionnellement pour se reconnecter à soi-même et accéder à davantage d'épanouissement professionnel. Pour moi, il y a trois grandes questions. Il y a la question de l'argent, il y a la question de la relation au pouvoir et de la relation à la reconnaissance. Et ce sont ces trois grandes questions qu'il faut se poser au-delà de ses compétences et de ses envies. Les bonnes questions à se poser avant de switcher, c'est vraiment de se poser sur le problème et se demander qu'est-ce qui ne me convient pas. D'où vient la source de mon insatisfaction aujourd'hui, à cette date, à cet instant T. Et du coup, à partir de cela, de se demander en fait, depuis quand est-ce que ça dure? Parce qu'il n'y a pas de hasard, ça dure depuis un certain temps. Qu'est-ce qui a fait que ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Et du coup, à partir de là, d'explorer est-ce que c'est un problème peut-être de reconnaissance au travail? Est-ce que c'est un problème de ne pas se sentir dans sa zone d'excellence? Enfin, il peut y avoir mille et une raisons en fait. C'est de se demander quelle est la vraie source du problème. Après, de se demander en fait, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore changé? Parce que ça veut aussi dire qu'il y a des avantages de ma situation et qu'il faut que je les prenne en compte. Un vrai bilan de compétences pour savoir à quoi est-ce que je suis bon, dans quoi est-ce que je me plais, dans quoi est-ce que je suis moins bon et quelles sont mes lignes de force et mes faiblesses. Il y a aussi le fait de se demander qu'est-ce qui fait sens pour moi. Ça, c'est une question que énormément de personnes qui switchent se posent aujourd'hui. Moi, je pense pas qu'il faille switcher à un moment précis, que ce soit juste après ses études ou à 30, 40 ou 50 ans pour le faire. Je pense qu'il faut switcher au moment où on sent que notre petite voix à l'intérieur de nous dit qu'il y a un petit malaise professionnel et qu'il y a peut-être un truc à gratter pour accéder à plus de, je dirais pas de bonheur au travail, parce que mot est grand, mais d'épanouissement. Je crois que c'est vraiment fonction de chacun, fonction des personnalités des uns et des autres. De toute façon, opérer un switch, ça se fait quand même pas par un claquement de doigts. Donc ça suppose d'y réfléchir et ça prend un minimum de temps. Quand on pense à se reconvertir, il y a plusieurs outils qui existent. Tout dépend déjà du statut dans lequel vous êtes. Il y a ce qu'on appelle le congé de création d'entreprise, qui vous permet de pouvoir commencer à monter votre projet tout en gardant votre sécurité. Il y a le CIF, c'est-à-dire le congé individuel de formation, qui permet de réaliser une formation qui n'a pas obligatoirement à voir avec ce que vous faites dans l'entreprise, c'est-à-dire que ça peut être sur un sujet complètement différent. Il y a ce qu'on appelle la mobilité volontaire sécurisée. Et si vous êtes demandeur d'emploi mais que vous voulez créer une entreprise, il y a ce qu'on appelle l'ARCE et qui permet de toucher 45% de vos droits pour s'en servir comme capital en fait pour la création de votre entreprise. Pour moi, il y a deux erreurs à ne pas commettre quand on switch. La première, c'est en fait au tout début, quand on se pose des questions sur le fait de se reconvertir, de confondre justement le déclencheur de l'envie de reconversion avec une vraie envie de reconversion et du coup d'être en mode fuite. Et du coup, en faisant ça, on ne prend pas le temps de se poser pour comprendre vraiment ce dont on a besoin et on a toutes les chances pour s'orienter vers la mauvaise option. On a tous eu envie de switcher, mais simplement parce qu'on se dit oh, « j'ai envie d'être celui-là ». Donc si j'ai envie d'être celui-là, oh, peut-être que je pourrais faire ce métier-là. Ben non, en fait, il y a des métiers auxquels sont attachées des compétences très précises qu'on n'a pas. La deuxième erreur, c'est au moment du lancement, de ne pas valider le fait que ça vous convienne. Moi, j'ai vu des personnes qui se sont lancées, par exemple, dans la restauration parce qu'elles aimaient le food. Et qui en fait ne se sont pas rendu compte que gérer un restaurant, c'est beaucoup plus du management et de la gestion des stocks et des commandes que réellement passer du temps en cuisine. Il y a beaucoup d'échecs qui sont liés au fait de ne pas avoir suffisamment mis son rêve au contact de la réalité. Ce qui est super important, c'est se faire confiance. Il faut avoir une force personnelle et une sorte de confiance en soi. Ce ne seront jamais les autres qui vont être là pour vous dire « mais c'est super, c'est formidable, et vas-y ». C'est en soi qu'on va trouver la force de switcher.